Le président de la Fondation Aide et Solidarité, Bernard Serge César Bouya, et ses membres ont fait un don d'enveloppe d'argent à 100 femmes vendeuses au marché. Une action menée au cours d'une campagne de sensibilisation sur la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles. La déléguée adjointe chargée à l'administration parle des objectifs de la Fondation et l'intérêt de cette campagne. Permettez-moi tout d'abord de dire que nous sommes heureux que cette journée de sensibilisation qui a pour thème la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles ait lieu ce 31 janvier 2021 sur l'esplanade de l'école 15 août 1963 de Puy-Cou. La Fondation Aide et Solidarité a été créée en juin 2013. Elle a pour but, en République du Congo, de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, d'apporter aux groupements et aux populations des appuis nécessaires dans les domaines socio-sanitaires, culturels, sportifs et techniques. Saviez-vous qu'au moins une femme sur trois subit une forme de violence au cours de sa vie? Donc, il est temps de dire « ça suffit ». Nous voulons en finir avec les violences faites aux femmes et aux filles, et cela ne doit pas être un simple slogan. Nous devons agir par des actes. Deux communications ont été faites au cours de cette cérémonie. La première sur la discrimination et les types de violences suivies des conséquences de ces violences. Puis, une série d'échanges est intervenue entre les modératrices et les participantes. Merci pour la Fondation. Certaines violences qu'on ne connaissait pas, qu'on vient de connaître, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de bénéficier auprès d'eux. Donc là, nous sommes vraiment sûrs que les femmes, nous avons beaucoup de la sécurité, nous avons beaucoup de valeur. Ce que je peux dire à la Fondation, merci. Parce que nous, on ne s'entendait pas qu'on voulait nous donner aussi quelque chose. Avec mon argent qu'on m'a donné là, moi, je vends le foufou. Vu que mon capital aussi ne permet plus d'acheter, parce qu'en ce moment-là, le sac de foufou coûte maintenant 48 000, 42 000. Vraiment, je dis merci à l'association. Ça va m'aider encore à renforcer mon commerce. La Fondation Aide et Solidarité, créée depuis 2013, est à sa énième action après Brazzaville et Sibiti.